Bonjour. Alors, je vous remercie de regarder cette vidéo qui vous aura peut-être attiré de par l'accroche de son titre, étant entendu que ma chaîne YouTube en général ne comporte pas le genre de vidéo que je vais faire et commencer aujourd'hui, puisqu'en effet, je suis artiste, comédien et acteur et producteur, et donc son contenu est nettement bien différent. Donc si je décide d'entamer cette première vidéo, qui normalement sera la première d'une plus ou moins longue série, c'est pour une raison particulière. Et en fait, cette raison, elle est double. D'une part, peut-être pourra-t-elle servir à rassurer, à renseigner les gens qui sont dans mon cas, et d'autre part aussi peut-être à avoir de la part de l'un ou l'autre un message me disant non, non, votre cas n'est pas aussi rare que ça. Alors, je m'explique. D'abord, chronologiquement, il faut savoir que je suis immunodéprimé, donc j'ai la maladie de Crohn depuis 20 ans à peu près, et ma foi, je la gère assez bien, elle est bien traitée. Et à cause de cela, lorsque les infections à la Covid battaient leur plein, en tant que personne fragile, j'ai décidé de me faire vacciner. J'ai en effet été vacciné 3 fois, ARN, ce qui ne m'a pas empêché de contracter malgré tout la Covid le 28 décembre 2021, soit il y a un peu plus d'un an. Ça ne s'est malheureusement pas bien passé, puisque au fil des semaines et même des mois, a très vite été diagnostiqué un syndrome post-Covid, ou appelé aussi communément Covid longue. Et en effet, j'ai eu surinfection pulmonaire, surinfection pulmonaire. Je vous passe le détail concernant les différents effets, mais ça a été principalement des difficultés respiratoires très rapides au moindre effort. Et donc, évidemment, à cause de cela, et là il y a un lien direct avec la post-Covid, c'est que ont été détectées des méchantes bactéries qui infectaient mes poumons, à savoir un E. coli et un staphylocoque doré. Voilà. Alors évidemment, tout ceci a nécessité et a engendré plus exactement des tas de consultations, d'examens divers, avec un premier TEP scan, d'une première bronchoscopie, et puis un second TEP scan, et puis une deuxième bronchoscopie, qui ont mené cette fois à ce que mon dossier médical soit émaillé d'un maître mot, à savoir suspicion. Suspicion de quoi ? Suspicion de cancer, sans que ce ne soit défini, on parlait de cellules atypiques. Donc, un troisième TEP scan a eu lieu, une troisième bronchoscopie également, et là, ça s'est confirmé. Oui, en effet, j'ai un cancer au poumon droit, un cancer à non petites cellules. Alors, je fais un court aparté pour dire que je ne suis pas occupé à sous-entendre que un cancer pourrait être la conséquence des effets de la Covid, même si je me pose quelques questions. Mais il est clair que, à ce moment-là, quoi qu'il en soit, j'étais toujours opérable. Sauf que, ayant en parallèle des infections bactériennes au poumon, telles que le E. coli donc, et le staphylocoque, en cas d'opération, eh bien, ça pouvait causer des complications post-opératoires importantes. Donc il était nécessaire d'éradiquer ces bactéries avant de me faire opérer de manière sécuritaire. Et j'ai donc eu un traitement d'antibiotiques très fastidieux par intraveineuse pendant 12 jours, 3 fois par jour, etc. Et donc, à la suite de cela, a eu lieu un quatrième TEP scan. J'ai pas de carte d'abonnement, mais je vais y penser. Et une quatrième bronchoscopie avec divers prélèvements, biopsies et autres. Et là, surprise,
non seulement le premier cancer à non petite cellule était confirmé, mais ah, j'ai un deuxième cancer au même poumon. Alors, mon pneumologue, qui a quelque part beaucoup d'humour, m'a dit que j'étais une boîte à surprises. Je m'en serais évidemment volontiers passé, mais il faut savoir et comprendre, et c'est là peut-être où, de votre part, quelque part, j'aurai une information en me disant « Non, non, vous n'êtes pas un cas à part. » Pourquoi ? Parce que jusqu'à preuve du contraire, je serai un cas à part, exceptionnel, unique, je ne sais pas, mais ce que je peux dire, c'est que l'équipe médicale qui me suit, à savoir un radio-oncologue, l'oncologue et le pneumologue, ont fait des recherches dans les annales médicales internationales, et jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas trace d'un cas similaire au mien. Donc, entendons-nous bien, j'ai deux cancers distincts, de nature totalement différente, à savoir un à non petite cellule et un autre à petite cellule, au même organe, le poumon droit en l'occurrence. Et voilà. Donc, évidemment, tout ça fait que du coup, je ne suis plus opérable, puisque malheureusement, le cancer à non petite cellule est extrêmement agressif, potentiellement, ne s'opère en principe jamais. Et donc, je suis maintenant contraint, je n'ai plus le choix, à devoir mettre prochainement le doigt dans l'engrenage de la chimiothérapie et de la radiothérapie. Étant entendu que mon état d'immunodéprimé m'exclut d'office de l'immunothérapie, et que la rareté de mon cas, donc d'avoir un cancer mixte, eh bien, me met en dehors de facto de tout test clinique et même de toute thérapie ciblée. Donc, j'avoue que j'appréhende en particulier la chimiothérapie, parce que si avant, lorsque j'étais opérable, les risques de complications post-opératoires étaient accrues à cause des infections bactériennes que j'avais en parallèle au poumon et qui maintenant sont passées au second plan pour moi, eh bien il s'avère que en tant qu'immunodéprimé toujours, cette fois, les effets secondaires de la chimiothérapie peuvent être eux aussi accrus. Voilà, encore une fois, je n'ai pas le choix, donc je vais entamer ça la semaine prochaine. Nous sommes aujourd'hui le samedi 7 janvier 2023. Jeudi prochain vont commencer les thérapies. Alors, ça va commencer par le même jour, une séance de chimiothérapie. Et puis, dans un autre hôpital, ce sera suivi par la première séance de radiothérapie. On m'a prévenu, ça risque d'être un peu dur, mais il faut savoir en même temps que, pour se donner du baume au cœur, un cancer n'est pas l'autre, un individu n'est pas l'autre, et donc les effets que les uns peuvent avoir ne sont pas du tout ceux qu'auront les autres, etc. Voilà, j'appréhende quand même ça, mais c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette vidéo, et qui sera suivie par les autres vidéos qui, en fait, vont correspondre à la progression de mes thérapies, de la manière dont je les supporte, etc. La chimiothérapie, elle est prévue pour 4 sessions, espacées de 21 jours. Donc j'en ai pour 84 jours. Chacune des sessions sera suivie dès le lendemain et le surlendemain d'un complément de chimiothérapie, cette fois orale. Quant aux radiothérapies, j'ai 30 séances de prévues, du lundi au vendredi, avec un congé le week-end, et voilà, j'en ai donc pour 6 semaines. Comment tout ça va se passer? Bien, je l'espère, je ferai tout pour, j'aurai certainement l'occasion de vous en reparler, parce que j'ai l'intention de pratiquer différentes choses en plus de ce à quoi je suis soumis au niveau des thérapies traditionnelles. Je vous en reparlerai. Et puis, on verra aussi si ça fonctionne. Et puis, voilà, dans l'immédiat, je sais que je vais perdre mes cheveux. Alors, si apprendre que l'on a un cancer est un choc psychologique pour n'importe qui, je crois que perdre ses cheveux
aussi, en tout cas dès l'instant où c'est partout, ça doit être assez particulier. Donc j'ai pas du tout envie d'être soumis à ça, c'est la raison pour laquelle à la prochaine vidéo je n'aurai plus ma superbe tignasse blonde naturelle, j'insiste, mais parce que j'ai l'intention de me couper les cheveux, pas les raser, mais les couper très courts, ce qui sera moins violent psychologiquement lorsque la perte commencera à se faire sentir. Et en effet, mon oncologue m'a prévenu, ça se déroule à peu près 2 semaines après le début de la première séance de chimio. Voilà, donc merci d'avoir suivi. On se tient au courant, si vous voulez être tenu au courant, eh bien, je ferai une deuxième vidéo assez prochainement, genre, peut-être pas le jour de mes 2 premiers traitements, mais le surlendemain ou d'ici quelques jours. Voilà, je vous remercie et rendez-vous à bientôt.